faire connaissance, échanger, déposer un CV, le tout dans un lieu convivial. C'est le concept développé par l'équipe du Pays de Morlaix. Jeudi 9 juin, une centaine de demandeurs d'emploi sont venus à la rencontre d'une dizaine d'entreprises à l'occasion d'un deuxième café dans l'emploi organisé au bar Le Brazza à Landivisiau. Trois employeurs et un ancien salarié de GAD témoignent. Je recherche quatre conducteurs. Même des débutants, on accepte. On a donc d'énormes problèmes de recrutement. Donc c'est un moyen, comme un autre, de rencontrer des gens et de discuter sur le métier, de les faire venir chez nous. Ça facilite l'échange, l'accès aussi. Les gens osent peut-être plus venir dans un endroit comme celui-ci. L'échange est plus facile. Donc je suis à la recherche d'une personne en service en salle. Et bon, la saison approchant à grands pas, il faut que je trouve quelqu'un, quoi. Et c'est pas évident en restauration. Donc Pôle emploi m'a proposé ce concept pour la première fois ici dans le pays de Landy. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est une occasion de rencontrer du monde, autre que dans le contexte du travail aussi. On recherche tout le temps du personnel qu'on a du mal à trouver. C'est pour ça que je suis là. Nous recherchons des désosseurs, donc c'est des opérateurs de transformation, ça s'appelle, dans les usines d'abattage. On a du mal à retrouver parce que c'est quand même des métiers assez techniques. Il faut un petit peu... Enfin, il faut savoir faire, quoi. Il faut un peu d'expérience. On ne recherche pas forcément des gens diplômés, mais il faut qu'ils aient eu une première expérience ou alors on propose de les former. On peut prendre une quinzaine de personnes, là, si on trouve des gens formés. Je suis là... Parce que je recherche un emploi depuis 2 ans maintenant. Je travaillais chez GAD avant. J'étais employé dans le nettoyage industriel. Et puis là, GAD a fermé. Et puis j'ai travaillé 1 an encore pour eux, mais dans une boîte à côté. Quoi. Et après, ça a fermé aussi. Donc, il fallait se recycler, enfin pas se recycler, mais trouver autre chose. Quoi. Et donc là ce matin, vous avez fait le tour de différentes entreprises, hein? Non, je n'ai pas eu le temps encore, mais ça ne serait tardé. Là je vais aller voir le Telegram, je vais aller voir un peu partout. Je verrai ce qu'ils ont peut-être à me proposer ou pour faire connaissance. On peut rencontrer plusieurs employeurs en même temps. On peut voir ce qu'ils demandent, quelles sont leurs attentes, et puis essayer de proposer ces services.